Meghan Markle et le prince Harry essaient d'avoir leur gâteau et de le manger en venant au Royaume-Uni pour un voyage suspectement royal, a affirmé un expert royal. La commentatrice royale Daniela LC a fait valoir que la visite du couple au Royaume-Uni le mois prochain montre qu'il pourrait tirer des avantages royaux du voyage malgré le choix de vivre une vie en dehors de la famille royale. Le duc et la duchesse de Sussex retourneront au Royaume-Uni au début du mois prochain pour la première fois depuis les célébrations du jubilé de la reine. Madame LC a commenté leur décision de retourner dans le pays d'origine de Harry. Parlant de la décision du couple de se retirer de leurs rôles royaux supérieurs, elle a déclaré, alors, ils sont allés en Californie pour parler de compassion et faire des podcasts et des émissions de télévision, tous des objectifs nobles et impressionnants qui se sont jusqu'à présent traduits en son et fureur. Signifiant un bruit blanc faisant la une des journaux. Bref. Ils ont fait leur choix. Mais maintenant? Maintenant, il semble qu'ils soient sur le point de retourner en Grande-Bretagne pour un voyage qui pourrait porter avec lui la patine de la royauté, la flotte de Range Rovers noirs furtifs qui se rendent aux événements, les foules enthousiastes et les grands discours. Cependant, elle a déclaré que le problème avec le voyage était qu'il avait choisi de vivre une vie en dehors de leur fonction royale. Elle a affirmé, le problème est qu'ayant choisi la liberté et la vie hors des murs du palais, avec ce voyage au Royaume-Uni, il semble qu'il ait maintenant l'intention d'avoir leur gâteau californien encaissé et de le manger aussi. L'expert royal a également déclaré que le voyage pourrait finir par avoir l'air suspect royal. Cependant, de nombreux utilisateurs enthousiastes des médias sociaux ont salué le retour des Sussex au Royaume-Uni, l'un d'entre eux, Phyllis Brothers, écrivant, j'ai hâte, j'adore le prince Harry et la princesse Meghan. Un autre, @divinelymeghan a déclaré, merveilleuse nouvelle. Ils vont faire un travail incroyable et en inspirer tant. Ils forment une super équipe. Lors de leur voyage de septembre, Meghan et Harry visiteront des œuvres caritatives et des associations qui leur tiennent à cœur, a révélé l'un de leurs représentants. Le porte-parole du Sussex a déclaré, le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex sont ravis de rendre visite à plusieurs organisations caritatives qui leur tiennent à cœur début septembre. Le 5 septembre, les Sussex assistent au One Young World Summit à Manchester. Le 8 septembre, ils assisteront aux Welsh Child Awards, l'événement annuel qui célèbre les réalisations extraordinaires d'enfants et de jeunes gravement malades. Harry est le patron de cet organisme de bienfaisance depuis 2007 et a continué à en rester proche malgré le fait qu'il vit aux États-Unis. Le couple se rendra également en Allemagne le 6 septembre pour assister à l'Invictus Düsseldorf 2023 One Year to Go. L'événement marquera le début du compte à rebours de 12 mois avant les prochains Jeux Invictus qui se dérouleront dans la ville.